Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. On se retrouve aujourd'hui pour un rush kit le plus rapide du monde, le plus rapide du monde. Alors attention, c'est un record World of the FR, in the King, in the Boss, in the 400 dans ton slip, avec la pêche, la patate et la banane, parce que je viens de me rendre compte que je viens de faire un commentaire juste avant, et j'ai oublié de dire la pêche, la patate, la banane. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un rush kit le plus rapide de la Terre. C'était Flash Gordon en face, vous allez voir ça. Alors, la partie va commencer dans quelques secondes. Vous allez voir, donc on se retrouve en domination sur la map Plaza. Bref, on verra. De toute façon, c'est vraiment une vidéo rapide pour vous montrer à quel point c'est super chiant les rush kits, que vous compreniez un petit peu. Donc là, je viens de me faire tuer. Et je vais rusher discothèque. Il se passe rien de spécial. Il y a déjà eu un rush kit. Donc en face, ils sont 8 contre 9. Ils font même du 4-1, le premier de chez eux, hein, il est premier, après 1-0, 2-1, 2-0, donc vous voyez, c'est plutôt logique. Là, je tente un wallbang, et là, attention, flash, Gordon, wouh, expiration du délai, x6, x7, capitulation de l'ennemi dans 20 secondes, c'est magnifique, les amis, je n'ai pas compris. Alors, c'était certainement des potes, d'accord, mais alors là, franchement, oh my god. What the fuck, j'ai envie de vous dire, donnez-moi des explications, parce que je tenais à vous upload cette vidéo. Alors il y en a peut-être qui vont dire, ouais Hypno, pourquoi tu mets ça, il n'y a pas d'intérêt. Les gens, vraiment sur ma chaîne maintenant, vous avez beaucoup de performances sur la chaîne de Team, je commande beaucoup sur la chaîne de Team, donc si vous avez envie de retrouver Hypno qui commande des grosses performances, vous allez sur la chaîne de Team. Si vous voulez voir Hypno qui vous sort des beaux gameplays, des beaux massacres au fusil à pompe, ma spécialité, et ben vous restez sur ma chaîne. Vous en avez assez fréquemment quand même, j'upload beaucoup quand même sur ma chaîne. Et de temps en temps, j'ai vraiment maintenant envie de me faire plaisir, puisque ma chaîne, de toute façon, vous l'avez vu, j'ai beaucoup d'inactivité par rapport à mes abonnés. Mais du coup, voilà, moi je la prends vraiment comme le moyen de me faire plaisir, d'extérioriser ce que je pense, ce que je dis, etc. Donc vraiment, la cool. Donc j'avais envie de vous montrer ça, comme la dernière fois sur le hack, d'ailleurs ça vous a plu. Je suis tombé sur le hack, j'ai dit non mais faut que je leur montre ça, c'est aberrant quoi, le hack déjà, non mais cassez-nous pas les couilles quoi. Voilà, et là c'est pareil, donc c'était tout simplement, je pense que cette partie résume l'état d'esprit de la communauté. Honnêtement je rush kit beaucoup, vous voyez, donc je peux comprendre le rush kit. Mais là honnêtement, même moi je n'aurais pas rush kit. Même moi, je n'aurais pas rush kit. Alors après, encore une fois, parce que je sais qu'il y en a dans les commentaires qui sont peut-être pas d'accord. Vous avez vu qu'il y a quand même des ennemis qui ont rejoint. Mais regardez, on est 4 dans la deck, dans la partie de chez nous qui n'ont pas fait de kill. Moi, j'ai fait 2 kills. Bekabu, 2 kills. Aminiac, 2 kills. Et Withers, 3 kills. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. La partie se commence. Maintenant, ce que je peux comprendre, c'est que si rush kit, si vraiment ils avaient un autre pote qui était tout seul et tout, ça, je peux comprendre. Donc c'est pour ça que eux je leur veux pas forcément particulièrement, mais disons que ça me donnait une bonne raison de faire un petit sujet là-dessus. Donc peut-être que je vais vous mettre des kills là, en même temps que je parle, hein, peut-être une séance de kills, c'est possible, parce que là je vois que je m'éternise un petit peu. Donc je vais peut-être vous mettre un petit peu des petites séquences sympathiques que j'ai réalisées sur différents Call of. Donc voilà, donc vraiment c'était pour vous dire, je pense qu'il faut faire un effort sur le rush kit. Le rush kit, je le comprends, je le pratique, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, aussi rapide, c'est pas normal. Et ça pollue vraiment le jeu. Donc j'attends vraiment dans les commentaires, j'avais déjà fait un petit sujet sur le rush kit, de me dire ce que vous pensez. Je suis pas en train de blâmer, attention, ceux qui rush kit, parce que je vous le dis, moi je le pratique. Vous voyez, souvent, moi je rush kit dès que ça me saoule, dès que ça me gave. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus fort que moi au niveau du rush kit. Et là je me dis waouh, plus fort que moi Hypno le rageux, c'est chaud quand même. C'est chaud. Voilà, et puis en même temps je trouvais ça fun, parce que franchement je pense que je vais mettre une musique de Flash Gordon en même temps. C'était hallucinant quoi, j'ai fait waouh quand même. On est à peine arrivé sur la map. Donc en tout cas voilà, c'est vraiment une vidéo fun, détente. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, je vous ai pas pris trop de temps. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Hypno. Ciao, bye bye.